Vous ne voulez pas que les gens parlent. Parce que vous avez créé un groupe de signalement. Vous avez des petits minuscules de personnes. Vous voulez mesurer en soi. Vous ne pouvez pas mesurer tout le monde. Jamais de la vie. Jamais. Vous voulez faire croire aux gens que vous n'êtes pas tribal. Vous êtes les plus tribal. Vous voulez tuer certains bambinés qui sont bêtes. Qui sont bêtes. Vous êtes les plus tribal de la toile. Arrêtez ça. C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel problème qui ne finit pas? Partez-moi le pied d'abord, pardon. Partez-moi ça, pardon. C'est quel problème qui ne finit pas? C'est quel problème qui ne finit pas? Hein? On peut plus respirer? On peut plus respirer sur la toile? On peut plus respirer? C'est quel problème qui ne finit pas sur la toile? Hmm? Il y a des choses plus importantes qu'on doit dénoncer sur la, en diaspora. Il y a des choses plus importantes qu'on doit dénoncer. Les élections sont là. Hein? Les élections présidentielles sont là. Qui allait prendre sa carte de l'électeur pour voter en 2025? Personne. Vous embrouillez les gens. On voit les papas, les vieux papas, hein, qui sont positionnés pour les gens comme les enfants. Parce qu'ils veulent être la team de vérité. Parce qu'ils veulent commander les gens. Hein, pour dire que non, on doit les appeler les présidents. Président caca. Président caca. Partagez-moi le direct là, mes chers frères et sœurs. Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce direct. J'ai des vérités à dire. À un moment donné, il faut que vous arrêtez ça. Bon, 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 va framponner dans 48. On attend seulement. On n'appelle pas le nom de quelqu'un ici, ma chérie. Allez là-bas avec ça. Moi, je suis ça pour parler des choses réelles. Voilà comment vous embrouillez. Vous êtes versé dans les maisons. Vous mangez le saucisson, ça. Hein? Et une petite fille en Côte d'Ivoire qui a sorti un petit beurre des ménagères. Hein? Et une petite fille en Côte d'Ivoire qui a sorti un petit beurre des ménagères. Ça a tout pris la toile TikTok. Mais pour vous, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie. Pour vous regarder 8 personnes sur une seule personne. C'est quoi ça? On est tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Quand vous avez fait vos guerres, ne vous râlez à personne. Quand vous râlez aux gens, c'est-à-dire que vous êtes faible. Hein? Il y a des sujets qu'on peut parler. Il y a des sujets qu'on peut parler. Il y a des sujets qu'on peut parler sur la toile. Il y a des sujets qu'on peut parler. Mais on appelle le pays, c'est un sujet. Parce que tu vas venir parler un sujet. Tu vas venir voir deux personnes. Par contre, l'autre parle le Congo ça. Quand c'est le Congo ça, tout le monde est versé là-bas. À cause de la monétisation. Hein? Ben, ça vous arrange. Toi, Pipi, tu as dit ça que, non, je suis plus dans le clash. Je suis plus dans le clash. Tu as dit que maman Pépé, c'est une clasheuse. Maintenant, toi, tu es devenu qu'une clasheuse opérationnelle. Tu as voulu finir avec ma mère. Tu as voulu finir avec ma mère et tu continues dans la bêtise. Tu continues dans le noir. En voulant, la bailleresse, en voulant harceler ma mère, Pipi. Je ne te dois rien dans ma vie. Tu as escroqué l'argent des princes aimés ici. Tu as escroqué l'argent des princes aimés ici. Les gens font comme si ils ne voient pas. Tu es escroqué l'argent de Clarisse Enga ici. Les gens font comme si ils ne voient pas. Parce qu'en diaspora camerounais, il y a certains gens qu'on va dénoncer après, je vais te donner l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu gain de cause. Il n'y a pas eu gain de cause. Je n'ai pas vu aucune blogueuse parler de ça. Une blogueuse qui escroque un handicap. Aujourd'hui, aucune personne parler de ça. La même blogueuse s'est mise sur la toile, escroquer une femme. Les gélules. Les gélules, escroquer une femme pour les gélules. Je n'ai vu personne venir parler de ça. Personne s'assoit venir dénoncer. Hein? Ta propre tante, Mana la Tonganesse, s'est assise ici. Escroquer plus de 60 personnes. 60 personnes. Pour le visa du Canada. Je n'ai vu personne venir parler de ça. Parce qu'il y a eu raillement. Raillement. Pour le aide-moi à détester. Vous voulez embrouiller les gens. La votre guerre qu'on fait là, la guerre c'est sans merci. Ma pépé a gagné la bataille. Elle a gagné. On a les choses qu'on doit dénoncer. Venez dénoncer l'affaire des princes aimés ici, si vous êtes tous les femmes. Venez dénoncer l'affaire des princes aimés ici, mais vous ne pouvez pas dénoncer ça. Parce que vous allez aider moi à détester. À quoi nous sert le bloc camerounais? Le bloc de la diaspora nous sert à quoi? À quoi ça nous sert? Voilà un observateur qui a manqué le respect à Cyril Dorcas. Astrid Dorcas, Cyril Dorcas l'a envoyé en prison. Tous les Ivoiriens sont mobilisés pour acculer Cyril Dorcas. Pour acculer Cyril Dorcas. Parce que dans le bloc camerounais, toile, partagez-moi le direct là, mes chers frères et sœurs. Bêtez les cœurs. Je suis venu sur la toile ici en tant qu'une bosailleuse. En tant qu'une bosailleuse. Je n'ai pas eu honte de dire que j'ai bosa. J'ai parlé des cheveux. Quand Ténèbres de Bamoun, qu'aujourd'hui, franchement, Facebook, je vous donne le chapeau. Vous êtes des tourbillons. Vous tourbillonnez, vous tous. Vous n'avez qu'une tête. Vous tourbillonnez. Ténèbres de Bamoun est venu sur la toile. En voulant finir avec ma grande sœur.
fini avec ma grande sœur. J'ai déposé ma caméra. J'ai défendu ma grande sœur, défendu corps et âme. J'ai sorti tous les remembas. C'est là, Wakatologue est où? Wakatologue est où aujourd'hui? C'est moi qui a chassé Wakatologue. C'est moi qui a chassé Wakatologue. En sortant une vidéo que Wakatologue elle m'avait mis sur sa page pour dire que qu'elle donne le lait à un enfant. Quand ils se sont réconciliés avec Gormopion, Wakatologue a oublié d'enlever la vidéo là. Je suis reparti chercher cette vidéo. C'est grâce à cette vidéo que Wakatologue est parti. Que Wakatologue, si tu es une femme, propose la vidéo sur ta page. Que Ténèbres des Bamous dit que non, elle donne le lait d'un enfant à un Kia. Wakatologue a fui. Aujourd'hui, je suis la personne à battre sur les réseaux sociaux. Les gens ont oublié que moi, je me suis mise à dos pour eux. Pour combattre. Pour que leur image ne soit pas salie. Hein? On a publié ma grand-mère. Ma grand-mère que j'ai bossé pour elle. J'ai marché à pied. J'ai bu l'eau du chameau qui est affiché sur la toile. Mais les gens sont allés faire la paix. C'est moi qu'on doit battre. On m'insulte partout. Isaac, on me traite de tous les noms. On me chiffonne partout. Partout. Je n'ai pas le droit de venir, venir revendiquer en tant que blogueuse parce qu'on doit dicter aux gens. Je suis venu dire ici. Moi, je suis venu dire ici que ma mère se fait harceler par une pipi bagnard. Ma grande soeur chérie sort. Elle dit que ma mère, c'est qui? Quand je regardais la vidéo, elle dit que ma mère, c'est qui? Comment? Elle dit que ma mère, c'est qui? Je dis que ma mère, c'est qui? Comment? Mais ma mère vaut de l'or. Ma mère vaut de l'or. J'ai le droit de venir dénoncer. La même bailleresse. Sa fille, elle est menti que ma mère devait 8 mois de loyer impayé. C'était faux. Alors que ma mère est quittée devant la bailleresse comme ça, devant la bailleresse. Sans donner quelque chose. La bailleresse a laissé ma mère partir. Comme le coup de pipi, ton coup avait raté, ton souhait était que tu voulais finir avec ma mère. Je vais te dénoncer à la dernière énergie. Tu es ma cible, ta démon. Et qu'elle va te frapper à Paris, pipi. Qu'elle va te frapper à Paris. Je vais te faire quelque chose que tu n'as jamais su. Ma feu grammaire que tu as pu. Aujourd'hui, la réaction est terminée. Arrêtez de te sortir des réseaux sociaux. On est fatigué. On n'a plus de choses à faire. Quand vous avez dit que maman Pépé a publié une soi-disant une fille de l'Allemagne, vous avez dit qu'on va radier maman Pépé. Reven Pinda a publié ma mère sur sa page. Vous avez dit quoi, papa de jumelles? L'hypocrisie de ça. Vous avez dit quoi? Rien. Parce que moi, je suis l'enfant d'une folle. Donc, Reven Pinda, la famille Biarmen ont le droit de publier. Donc, la famille Biarmen ont le droit de publier ma mère en plein direct. Personne ne doit dénoncer. Personne ne dénonce parce que ma mère, c'est la mère d'une folle. Vous n'avez rien dit. C'est passé inaperçu. Les gens sont restés, ça charmait sur moi, dit que ma mère devait 8 mois de loyer impayé. Du Camino, ma maman ne doit pas l'argent à personne. À personne. Quand je suis revenu encore ici, dénoncer que la même bailleresse poursuit ma mère avec les photos comme ça. Elle dit partout que ma mère est malade, ma mère est à l'agonie. Je n'ai vu personne venir faire un poste pour dénoncer ça. Les gens font les postes pour tirer sur moi. Que oh Nico, que j'ai amené ma mère sur Meta. Pourquoi? Meta appartient à tout le monde. Arrêtez vos choses que vous avez fait les gens pour donner les conseils. Donnez les conseils à vos familles, à vos soeurs. Moi, on ne me donne pas les conseils. Moi, j'ai beau à 92 000. Je n'ai pas eu honte de lui dire que moi, j'ai beau à ton scénarie. Tu as qui l'âme Esther? Pipi, tu as qui l'âme Esther? Au Gabon, tu as complété pour qu'on kilame une Camerounaise comme toi. Tu crois que je suis ma mère? Quand tu vas atterrir, je vais finir avec ta race. Ton propre père t'a régné, ton père t'a régné, ton père t'a régné. Ton père, il est à Yaoundé, non? Ton père t'a régné dans le ventre de ta maman. Ta maman est partie en mariage. Elle t'est enceinte. Tu es l'aîné de ta famille. Tu es l'aîné de ta famille. Ton faux profil a publié ma mère, ma propre mère, mon enfant. Je n'ai jamais publié Luz Goria sur ma part. Jamais. Je n'ai jamais publié le frère jumeau de Luz Goria sur ma page. Jamais. Je n'ai jamais publié la maman de Luz Goria sur ma page. J'ai les photos de la maman de Luz Goria. Mais j'ai dit que je ne la publie pas. C'est toi que je m'attaque. Tu t'attaques à mon enfant, pipi. Tu t'attaques à mon enfant.
fais des... Pipi, je veux t'abattre dans Facebook. Tu es déjà vieille. Moi, j'ai le temps pour t'abattre. Moi, j'ai le temps pour t'abattre, pipi, pour finir avec ta race. Vous n'avez pas musé les gens sur la toile. Vous n'avez pas musé. On va entrer dans la boue. Parce que vous voulez détruire le bloc camerounais. Vous ne voulez plus qu'en 2025. Nous, les mini-coupes, la vieille génération comme les Moussi, on va aller à la présidence. Vous avez raté vos vies. Vous avez raté. Vous avez détruit la toile camerounais en publiant. Les femmes, n'ayez pas peur. Nous, on peut changer le, on peut changer la donne camerounaise. Parce qu'à un moment donné, ça a été de trop. C'est comme si les gens veulent commander la toile. Une multitude de personnes, les vieux papas. Papa Messan. Papa Messan. J'étais respectable en tant que père. Moi, le jour que ma grande sœur devait passer à ta chaîne émission pour parler de ses contrats, elle n'est pas passée ce jour. Tu as demandé à maman Pépé de me contacter. J'étais contente. Tu m'as proposé parce que tu avais peur de taper pour toi ce jour. Parce que ma grande n'est pas passée chez toi. Tu m'as appelé. Ce jour-là, tu m'as demandé de passer, venir expliquer mon bosa. J'étais fière, mais j'étais pas préparée. Je suis entrée en contact avec maman Lili. Maman Lili, elle m'a dit que ma fille va. Je suis partie parce que j'ai vu que vous étiez un papa. Que derrière vous, je pouvais me libérer. Même quand je n'ai pas expliqué une partie, j'étais content parce que vous m'avez prêté votre page. Mais aujourd'hui, j'ai honte. Pas mes enfants, j'ai honte. Parce que je vous croyais un papa réfléchi. Un papa qui rassemble la jeunesse, qui rassemble une famille. Mais vous ne pouvez pas venir dans une diaspora détruire le bloc camerounais. C'est impossible ça. Qu'il y a les choses qu'on doit dénoncer. Ma mère se fait harceler par sa bailleresse. Après, derrière sa pipi, bien même tu es derrière ça. Bien même tu es derrière. Dénonçons ça. Pas mes sangs, dénonce. Laisse ta sorcellerie. Ma mère se fait harceler. Ma mère se fait harceler. Par la bailleresse de bien même Patricia. Tu ne me peux pas, Lolo. Pipi, je te parle aujourd'hui. Je n'ai pas peur de vous. Personne ne paye ma connexion sur les réseaux sociaux. C'est mon téléphone. Et il n'y a pas quelqu'un qui commande les réseaux sociaux. Tout le monde a le droit de dénoncer sa famille. J'ai le droit de dénoncer ma famille. Pipi, bien maintenant, Patricia. Regarde-moi, pisseuse écarteuse. Regarde-moi très bien. Tu montes la barrière sur ma mère. La barrière harcèle ma maman. Je ne te dois rien, bien même. Pipi, bien même, je ne te dois rien. Je ne suis pas Dorcas. Qui se fait manipuler par toi. Que tu parles à Dorcas comme tu veux. Tu n'es rien, tu n'es personne. Vieille femme, vieille folle. Sans le make-up, tu n'es rien. Sans le make-up, tu n'es rien. Tu es affreux, tu es le djoujou calva. Moi, regarde-moi bien. Je n'ai pas mis le make-up. Rien. On t'a vu sortir une tonne de perruques dans le sac banjok. Les perruques qui sentent mauvais. Tu as venu parler de Nicole Kétien. Hein? Vous ralliez. C'est quoi? On peut plus dénoncer nos familles? Hein? Tu fais les choses dans le noir? Tu les rends dans le noir? Tu veux finir avec ma vie? Tu vois comment j'avais peur de tout? Tu es une tonga. Tu es pas baganté. Je vais te traiter. Ta soeur, Mana, a escroqué les gens. Viens parler de ça. Par mes sangs, viens parler de ça. Sa petite soeur, Raven Bida, qui vit dans le social, qu'elle a fait l'enfant avec un Congolais. Il boit l'alcool, il tombe dans les rigoles là-bas au Cameroun. Elle a venu me parler. Elle a pu bien ma mère dans son téléphone. Vous ne parlez pas de ça. Parce que vous êtes hypocrite dans les réseaux sociaux. Vous allez former un clan pour détruire la toile camerounaise. Pour déstabiliser la toile camerounaise avec votre sorcellerie. Vous avez raté vos vies. Moi, Nicole, je ne vends pas le dongo en Europe. Je ne vends pas le dongo en Europe. Moi, je suis fier de ce que je suis. Vous, parmi ça, vous vous ralliez aux prostituées pour détruire la toile camerounaise. Arrêtez ça. Venez dénoncer les causes nobles. Dénoncer les causes nobles dans la toile camerounaise. On a besoin de ça. Nous ne voulons plus la sorcellerie dans la toile camerounaise. Ma mère se fait harceler. Parmi ça, ma mère pourrait être votre maman. Parmi ça, ma mère pouvait être votre maman. Quand vous avez eu besoin de moi, papa Messan, quand vous avez eu besoin de moi, Nicole Kétien, je suis entré dans votre page. Je vous ai valorisé. Je pouvais dire non à votre appel. Mais moi,
moi, tu dis que ma mère dort dehors. Ma mère ne dort pas dehors. Du Camino, toi, tu as bossé par le Maroc. Tu es un bossaïe comme moi. Hein? Tu t'es fait sodomiser au Maroc. Tu as chié dans le lit du, tu as chié dans le lit, dans le lit à l'hôtel au Maroc. On t'a donné l'argent. Tu étais incapable d'aller avec ta mère dans le taudis. Ta mère est morte dans le taudis. Les gens avec qui tu étais aujourd'hui, ces mêmes gens qui vont le déterrer ta pauvre maman, ta pauvre mère. Aujourd'hui, tu avais que mon combat du Camino. Alors que nous, entre nous, les beaux ailleurs, on devait s'entraider. Je ne vous dois rien. J'ai le droit de dénoncer. Claude Akam, j'ai vu ton poste. Hypocrite que tu sois. Claude Akam, tu fais le poste sur moi. Vous croyez qu'en faisant les postes, ça me fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Claude Akam, mettez-vous à ma place. Vous êtes caché en faux profil. Claude Akam, si tu es un homme, sors de ton faux profil. Tu mets ta caméra, on te voit. Tu vas voir qu'on va afficher ta pauvre maman. C'est bien pour vous en faux profil. C'est bien pour te juger Nicole Kedja. Mais parce que vous êtes caché, on ne connaît pas vos familles. Mais comme j'ai déposé ma caméra, c'est parce que j'ai soutenu votre patronne que ma mère s'est fait harceler aujourd'hui. Que ma mère s'est fait harceler aujourd'hui par la Bayref, par la complicité de Pipi, de l'homme bien même Patricia. Je t'attends au Cameroun, Pipi. Si tu es une femme, pas au Cameroun. Si tu es une femme, descends au Cameroun, on voit. Moi, on descend au même moment. Si tu es une femme. Tu as tout. Mais tu mendis dans les inbox. Tu mendis dans les inbox. Tu me veux quoi, Biarmen? Tu me veux quoi? Tu veux finir ma mère? Comme tu as Kilam, une fille au Gabon? Comme tu as Kilam, Esther au Gabon? Il faut qu'on te dénonce. Il est temps qu'on te dénonce. Il est temps. Le sang de Esther te tourne à la tête, l'homme Biarmen, Patricia. L'homme Biarmen, il t'appelle ton nom. Il va te faire du sale. Comme tu veux faire du mal à ma mère, Pipi. Pipi, comme tu veux faire du mal à ma mère, je vais te faire du sale au mois de juin. Prépare-toi au mois de juin. Tu vas me montrer si tu es une femme. C'est pas derrière les caméras. Comme tu dis que tu as fait le tour du Gabon, le tour de l'Afrique. Le tour de l'Afrique, c'est venir détruire tes propres soeurs. Tu es déjà vieille. Tu as 70 ans. La vieille, c'est liée en toi. Même le make-up ne t'arrange plus. Sorcière que tu sois. Sorcière que tu sois. Je viens te dénoncer. Comme toi-même, tu veux dénoncer. Tu dis que maman Pépé, c'est une sorcière. Toi-même, tu es une sorcière. L'homme bien, mais parce que tu es une sorcière. Ben, tu opères dans le noir. Tu opères dans le noir. Je te dois rien. Tous et celles qui sont complices avec la baguette, vous allez passer à la casserole. Ça ne choque pas. Vous allez, on va mettre les relations devant. On va mettre les relations devant. Oh, on va mettre les relations devant. Arrêtez de signaler mon direct. Arrêtez de signaler mon direct. Mettez les cœurs. Arrêtez de signaler mon life. Je vous dois rien. Le père de Marie aura mal laissé. La barrière cherchait, elle cherchait à entrer dans ma vie à cause de bien même l'homme Patricia. Toi, Pipitolo, tu as peur de moi. Tu es jalouse de ma beauté. Je suis plus belle que toi. Plus belle que ta petite soeur. Plus belle. Avec les seins debout. J'ai pas mis le soutien, hein. Les seins sont debout. J'ai pas mis le soutien. Regardez bien. J'ai pas mis le soutien. Tu comprends? Je suis plus belle que toi 100 000 fois. Tu es vieille. Tu es jalouse. Tu as peur que moi, Nicole Kedja, je peux entrer à la présidence. Tu veux t'emparer de la toile en manipulant les gens. Écoutez les audios que ma mère m'a laissé ce matin. Je ne peux plus. Vous croyez que quoi? Je vais dénoncer ça. Laissez la fête de maman Pépé. Parlez de ma mère. Dénonçons Pipi. Dénonçons une femme. Vous les blogueurs de la diaspora, venez dénoncer l'homme bien même Patricia. C'est une sorcière. Tu es une sorcière. Je vais finir avec toi en janvier, en juin. Pipi, j'ai pas peur de toi. Regarde, l'ordre me boit. Regardez-moi bien. Regardez bien mon visage. Écoutez les voix de ma mère. C'est qu'elle m'a laissé ce matin. Écoutez. Elle ne dort plus. Écoutez. Tu vois, tu la femme là devant ma soeur, tu as la femme là devant ma soeur, c'est infantile. Écoutez. Je suis sorti à 8h30 devant, elle va aller sur le parc. Que me demandez rien. Écoutez. Même Combo, elle me demande pas. Tu te dis, c'est moi qui est sorti. Elle dit qu'il devait payer le vin, elle est sorti le 11. J'ai demandé à son mari que j'ai utilisé la lumière, elle dit, je donne les 3 000. Le mari a dit, non, je suis sorti. Son mari est sorti, il dit, je n'ai pas 5 francs des gens là. Donc j'étais dedans, me fille. Oh, tu veux qu'on a kidnappé ma mère pour que tu prennes la rançon. Pipi, je vais finir avec toi. Je vais signer avec toi en diaspora. Vous allez arrêter ce que vous faites. Ok, pas mes sangs. Laissez ce que vous faites là. Venez dénoncer. Pipi, tu as les gangs au Cameroun qui prend les gens en otage. Tu as les gangs des bandits au Cameroun, Pipi. Et tu veux demander la rançon à ma mère avec la compétence de la Bayresse, Pipi.
tous les jours, je vais dénoncer le diable. Tous les jours, je serai là. Je n'ai rien à foutre. Je ne gère pas les nyama nyama. Je vais dénoncer l'acte malsain de l'homme bien-aimé Patricia. Ton acte malsain. Écoutez, je ne dors plus. Parce que moi, j'étais venu soutenir une grande sœur. Ma mère, ma famille est passée. Aujourd'hui, c'est moi la mauvaise. Je vais finir avec vous. Écoutez. J'espère que on va bien. Comment va Marie? Je vois toujours la femme là devant ma chatte. La femme ne me demande pas si elle est en chat. Je suis sorti à 8h30 devant elle, elle est sur parle. Que me demande rien. Même combo, elle ne me demande pas. Puis que c'est moi qui est sorti. Elle dit qu'il devait payer le 20 sur le 11. J'ai demandé à son mari que j'ai utilisé la lumière. Dit je donne les 3 000. Partagez le direct. Le mari a dit non, je suis sorti. Écoutez. C'est son mari qui est sorti. Il dit je n'ai pas 5 francs. Écoutez. Les gens là. Donc j'étais dedans me filmer. Mmh. Je ne sais pas si quelqu'un nous chez quelqu'un on le filme. Écoutez. Moi, je suis devant le Saint-Sacrement pour parler comme ça. Je ne sais pas si la femme a fait ma photo. Comme elle avait dit que je passe le marabout, il ne m'a pas elle m'a filmé pour me chercher partout. J'ai dit que bon, le vent, je ne voulais pas discuter, j'ai dit le vent. J'ai commencé à payer ma mère le vent. Quand la sonnette venait même les arrêter, c'est pas très plaidé, ça ne me regardait même pas. Tu vois, malgré la pauvreté de ma mère, la Bayre volait la lumière, ma mère payait. Mais ma mère ne vit plus chez la Bayresse. Ma mère n'est plus chez la Bayresse. J'ai enlevé ma mère là-bas, je l'ai mis ailleurs. Elle est loin de chez la Bayresse. C'est ma quatre taxi. Mais la Bayresse, Pipi a envoyé l'argent du Cameroun à la Bayresse pour aller chercher d'où ma mère vit. La Bayresse marche partout avec la photo de ma mère pour dire que ma mère est malade, elle a l'agonie. Jusqu'à présent, la Bayresse marche. La Bayresse était ce matin dans mon quartier, on m'appelait ce matin dans mon quartier. Parce qu'elle cherche où ma mère vit. Parce que Pipi, l'homme bien même parce que ça, tu es derrière ça. Parce que tu as les gangs des bandits au Cameroun. Comme tu étais parti en prison pour enregistrer le gouvernement camerounais. Je vais sortir le remember de ta yam sœur. Je vais remettre ça sur Facebook. On va t'arrêter, même ici en Europe. Ne pense pas que tu as fait la paix avec elle. Comme vous voulez faire du sale, comme tu as fait du sale à ma mère, Pipi, je vais aller sortir le remède bas du direct de ta yam sœur qui t'avait fait pile sur mes tas. Elle a sorti les audios. Je vais me mettre à écouter comment toi, tu vas partir enregistrer les membres du gouvernement, Pipi. Je vais te faire du sale. Comme toi, tu fais du sale à ma mère. Comme toi, tu es au Cameroun. L'homme bien même Patricia. Comme toi, tu es au Cameroun. Tu as les gangs de bandits qui séquestrent les femmes, les familles des gens pour demander la rançon, Pipi. C'est ce que la Bayresse a dit à quelqu'un. La Bayresse serait publiée. La Bayresse, toi la Bayresse, tu serais publiée sur Facebook. Avec ton gars, même ta fille en France. C'est ta photo qui me manque. La Bayresse, c'est ta photo qui me manque. Pour compléter le clan des assassins. Le clan. Je suis une grosse mytho. Quand ça vous arrange, je vais vous bloquer. Je suis une grosse mytho. Quand ça vous arrange, vous allez mélanger pour vous la détruire. Maman Pépé. Maintenant, moi, je viens dénoncer ma mère. Vous dites que je suis une grosse mytho. Quand ça vous arrange, vous ne me connaissez pas encore. Si mon esprit, si je sors l'esprit du quartier, sur état, vous allez fuir. Je n'ai peur de personne. Je suis une bosaï. Je n'ai peur de personne. Pipi, quand tu fais le sale à ma mère, je vais ressortir tous les remembers que ta yam sœur t'avait mis sur Facebook. Tous ces remembers vont ressortir. Direct demain, grand la terre, grâce à toi, Esther, sa mère est morte. Je vais ressortir les remembers. Je vais te traumatiser, Pipi. Moi, Nicole Ketcha, j'ai tout mon temps. Tu t'attaques à ma famille, tu es qui, toi? Vous croyez que c'est vous qui commandez Facebook? Vous croyez que c'est vous qui commandez, même si c'est du réchauffé, il n'y a pas de souci. Allez, bloquer. Je vais ressortir les remembers, Pipi. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur mes tas. Donc, je vais rester là. Pourquoi on accule ma mère? On harcèle ma mère. Vous vous mêlez d'un seul problème. Vous voulez tuer une seule personne. Et que moi, je dois, celui qui fait un post sur moi avec mon nom, je te bloque. Dénoncez bien même. Dénoncez l'assassin bien même, non, Patricia. Celle qui enregistre le gouvernement camerounais. Je vais te traiter sur mes tapis. Je suis maintenant en archive. Je vais aller ressortir les remèmes balais de ta yam sœur.
On va encore réécouter ce que ta Yamsou t'avait fait, que t'avais mis au pas, parce que tu veux détruire ma famille. Tu veux kidnapper ma mère. C'est ça que ma mère m'a envoyé ce matin. Ça, elle m'a envoyé ce matin. Elle ne dort plus. Elle ne dort plus. Parce qu'elle voit la bairesse. Elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit à ses femmes? Elle ne doit pas l'argent à la bairesse. Ma mère est sortie. Quand j'ai découvert que ma mère vivait, j'ai eu faim de pipi. J'ai sorti ma mère là-bas. Je l'ai amenée à une folle. Je t'avais laissé. Tu es une assassine. Pipi. Le sang de Esther te traumatise. Tu sors avec les bandits. Hein? Viens raconter aux Camerounais que tu sortais pas au table, au Gabon. Tu as les choses pas au table. Tu n'as pas honte de pipi. Que tu fais la réunion avec tes copines au Gabon. Tu amènes ton gars d'aller agresser tes copines pour prendre l'argent de la réunion. Tu es une bandite. Aucun, tous les gars avec qui tu as couché, tu as nias, personne ne connaît son image à toi. Personne. Et tu veux t'attaquer à ma mère, pipi. Tu veux t'attaquer à ma maman. On va se faire ça dû au mois de juillet. Prépare-toi. Tu ne blagues pas. Au restaurant Bangou. Je te donne rendez-vous. Je dis que c'est au mois de juillet, vers le 25 juillet, je suis à Paris. J'ai 4 jours à faire à Paris. 4 jours. À faire à Paris. Je donne rendez-vous au restaurant Bangou. À Paris, pipi. On va se faire face to face. Tu sais pas les Kaolo. Les Kaolo vont jouer au moment-là. J'ai toutes les preuves sur toi. Toutes les preuves. Avec les audios. Que la copie de Esther avait laissé. Que tu as qui l'âme. Si tu veux qu'on fasse, je vais te faire du sale. Moi, Nicole Kécha. Je vais te faire du sale. Et je suis de moi. Je suis la femme des blancs. Je suis la femme des mécates. Je suis la femme des blancs. Quand la police française va me voir, maman, le jour que tu es venu à la République, le premier jour que tu es parti à Paris, qui? Parce que vous croyez que vous êtes qui sur la toile? Ma mère est importante pour moi. Vos mamans sont importantes pour vous. Facebook n'appartient à personne. Je n'achèterai jamais les vues, même avec 200 personnes, pipi. Même avec 200, on est fini avec ta race. J'ai fait pour ma mère. Je ne parlais pas avec ma mère. Elle m'a envoyé un message ce matin. Parce qu'elle ne dort pas. Elle se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Que la bairette la hante comme ça. La bairette l'a amené ma mère. La bairette l'a amené ma mère. Sur le marabout, pour moi, pas pour moi. Ma mère a refusé. Parce que Pipi a demandé à la bairette d'amener ma mère sur le marabout. Parce que Pipi a demandé à la bairette d'amener ma mère sur le marabout. Les pages Congossa. Couper les parties que moi je dénonce. Une maman se fait harceler au Cameroun. À cause d'une blogueur. Non, le nom bien même Patricia. Qui a le gang des bandits au Cameroun. Qui demande la rançon de 3 millions. L'homme Patricia. À le gang des bandits. Une femme qui allait au Cameroun enregistrer le gouvernement camerounais pour donner à la basse. Je ne blague pas avec toi. Je vais te faire du sale, pipi. Le sale. J'ai tout mon temps pour toi, Mbiamène. J'ai tout mon temps pour toi, sorcière. Comme tu veux passer du virtuel à la réalité. Pour finir avec ma famille, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Tous les pas de Congo, ça. Vous, Cameroun, tu fais harceler. Par une bairesse, que ma mère ne doit rien à cette bairesse. Ma mère ne dort plus. Elle a peur de marcher en route. Elle a peur qu'on peut la kidnapper. Parce que Pipi orchestre avec la bairesse pour kidnapper ma mère. Pour kidnapper ma mère. Reste que tu cries. Les toiles qui viennent te... Je crie, m'en fous. Si elle me lave, elle la lave demain. Si elle me lave, je m'assois sur elle demain. Si elle est sage, si elle me lave, je vais la laver correctement demain. Je la savonne demain. Je sors ses remèmes bas. C'est temps de me laver. Voilà. Hein? Vous les pages Congo ça, Soko, venez prendre la partie ici. Une maman se fait harceler par une bairesse. Que ma mère ne doit rien à la bairesse. Parce qu'il y a une blogueuse au nom de l'homme bien même parti ça qui encaisse les choses. C'est quoi avec vous sur la toile? C'est quelque chose qui ne finit pas. C'est quelque chose qui ne finit pas. Il y a les vraies choses qu'on doit dénoncer. C'est quoi? Vous voulez museler les gens? Vous voulez museler les gens? Par quoi, quoi? C'est ça. Hein? Mandorcas, tu dois sortir pour ça. Mandorcas, c'est toi qui as amené ma mère sur Facebook. Voilà ma mère qui pleure. Tu ne dors plus, maman. Tu ne dors plus. J'ai même un ami
qui est venu arranger le problème. Hein? Il était même fâché que ma mère, que j'ai parlé mal à ma mère. C'est la même chose à faire à Esther. C'est la même chose que Pipi a fait à Esther au Gabon. Mentir le gars de Esther que Esther soit un Camerounais. Le gars de Esther n'a pas voulu comprendre. Il a donné 30 coups de couteau à Esther. Tchou, 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 à Esther. Esther est morte. Pas la complicité de Pipi. C'est ça que tu fais à ma mère, Pipi. Pipi, c'est ça que tu fais à ma mère. Tu ne peux pas. Tu vas me passer derrière le dos. Tu vas me passer derrière le dos avant de faire du mal à ma maman. Tu ne peux pas faire du mal à ma mère, Pipi. Je te dis la vérité. Arrêtez de signaler mon life. Je ne vous dois rien. Je suis venu dénoncer. Donc laissez sa femme et ça. Viens dénoncer l'acte de ma drabairesse. Je n'en peux plus. Ma mère a arrêté de boire les médicaments de la tension depuis hier. Depuis hier. Depuis hier, elle a arrêté. Je n'étais plus combien de jours elle a arrêté à l'homme de boire la tension. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas dormi. C'est quoi? Voilà le message qu'elle m'a envoyé ce matin. Voilà ça. Les audios qu'elle m'a envoyé ce matin. Voilà les audios qu'elle m'a envoyé ce matin. Voilà ces audios qu'elle m'a envoyé. Voilà ça. Elle m'a envoyé les audios ce matin. Voilà les audios qu'elle m'a envoyé ce matin. Ce matin, elle m'a envoyé les audios ce matin. Qu'elle ne dort pas. Elle a arrêté de prendre les remèdes d'attention. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? C'est quoi? Elle a peur. Quel est le but de la bailleresse? De venir mentir que ma mère est malade. Qu'elle a l'agonie chez elle. Ma mère n'est plus chez toi. La bailleresse. Ma mère n'est plus chez toi. Ma mère n'habite plus avec toi. Et qui l'aime les gens? Regardez moi. On va voir ma Katido. Les stars camerounaises. Je vais saboter ta télévision. Moi. Non, Germaine. Je vais saboter ta télévision. Je suis ravi. J'attends que tu fasses ton entrée de télévision. Je vais saboter ta télévision. Je vais te faire du sale. Je vais reprendre avec toi. Comme tu t'attaques à ma famille. Je vais reprendre avec toi pourriture. Poubelle. Quand tu viens t'asseoir, tu parles de ma mère. Tu peux parler de ma maman. Tu peux parler de ma mère. Tu peux minimiser ma mère, Pipi. Germaine. Tu peux minimiser ma mère. Germaine. Tu peux minimiser ma maman. Essaye de me répondre. La dernière fois, ça a changé que Isaac a dit, toi, tu es comme ça, tu es carré. Je suis tordu, mais j'ai accouché. Toi, tu as accouché. Pipi, toi, tu as accouché avec les seins qui touchent au ventre. Tu n'as jamais accouché, mais tes seins touchent au ventre. Tu as avorté comme ça. Les enfants pleurent dans le cabinet. Tu as dit, parler de Nicole, que ça. Que ta soeur, tu peux me clasher. Pipi, tu peux me clasher. Essaye encore. Pipi, de pointer ta caméra, tu me réponds. Je vais finir avec toi. Je vais te clasher jusqu'à tes entrailles. Mais tu t'attaques à ma maman. Mettez jusqu'à tes entrailles. Et toi et moi, jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe, toi et moi. Toi et moi, jusqu'à la tombe. Parce que quoi? Je devais me défendre une grande chose sur la toile. Ma famille a pris les pots cassés. Tu es comme tout le monde. Hein? C'est quoi? Tu es qui, toi? Qui t'a mandanté? Tu es quel bloqueur? Tu représentes quoi? Tu représentes rien dans la diaspora. Tu ne représentes rien. Tes followers vont m'insulter comme ils veulent. Mais toi, face to face, regarde-moi bien, l'or dans mon bois. Je suis fille de Bepanda Kassimando. Je suis fille de ghetto. J'ai pas eu honte. Regarde-moi bien, même. L'or dans mon bois. Regarde-moi bien. C'est Nico qui te parle. C'est Nico qui te parle. J'espère que tu as les Kaolo. Je sais que tu as les, tes Kaolo, tes papiers sont consistants. Ce qui avait été fait à Paris, Pipi. J'espère, moi, ma fille, mon Kaolo, c'est familial. Ta part, c'est quoi? Et je vais dénoncer qui a donné le Kaolo qui a reconnu Luz Goria. Je connais qui a reconnu Luz Goria. Je vais dire ça à la police. Je m'en fous de cette maman. J'aimerais interpeller le fils de Marathon Chat. Si on ne veut pas que la vérité sort sur les cas qui a reconnu Pipi, arrête vite ce que tu fais là avec moi. Je connais qui a reconnu ta fille Luz Goria le jour qu'elle est venue en Europe. La date, tout. Ma fille italienne, c'est moi sa mère. C'est moi qui l'ai portée 9 mois. Personne n'a reconnu mon enfant. C'est moi sa mère. Dans l'acte de naissance de ma fille, c'est écrit Nicole. C'est moi. C'est écrit le nom de son père. On ne peut pas me retirer ma fille. On ne peut pas ni enlever le nom, mon nom, sur l'acte de naissance de mon enfant. Par contre, toi, Pipi,
La personne qui a reconnu Luis Goria peut faire la prison. Peut faire la prison. C'est ça qu'il interpelle le fils de Maton Chat. Qui t'arrête vite, pipi. Parce que ce qu'elle te prépare, je vais te faire du sale sur la toile. Du sale. Et on ne commande pas. Je ne mange pas chez les gens. Qu'il s'agit de ma mère, qu'il s'agit de ma maman, tu opères dans le noir. Une femme normale, normale, quand ma mère est venue sur Facebook, tu pouvais sortir en tant que grande soeur. Tu dis que oui, ma soeur, j'ai compris. Que ta fille arrête, on arrête tout. Mais tu sors, tu insultes ma mère. Tu pars dans le noir. Tu pars dans le noir pour orchestrer la bairesse. Elle se met à chercher les photos. Elle se met à chercher d'où ma mère vit. Parce que tu veux demander la rançon. Parce que toi, tu as les groupes des bandits au Cameroun. La même chose que tu as fait, que tu as organisé à Yaoundé. Que tu détruis les familles des gens à Yaoundé. Tu as détruit Kaïs Yanga avec ses produits, avec ses gélules. Ton boza. Mais moi, j'ai assumé mon boza. Demain aussi sur toi, à 20h. Je vais sortir les audios que ta Yamsoué avait sorti sur Facebook. Les audios, elle avait sorti ça encore. Je vais remettre ces audios-là. Comme l'État camerounais va écouter que tu es un indice. Tu es un indice. Quand tu pars au Cameroun, tu vas enregistrer l'État camerounais. C'est ta Yamsoué qui avait sorti les audios-là. C'est elle. C'est sur YouTube. Je vais aller rechercher ça sur YouTube. Je vais aller rechercher. Comme toi, tu ne veux pas quitter derrière ma mère, pipi. Tu ne veux pas quitter derrière ma famille. Donc, prépare-toi aux conséquences. Je suis en guerre à partir d'aujourd'hui avec toi. La guerre est déclarée. Et si tu t'amuses, je mets le nom de la personne qui a donné Kaolo à Luis Goria, qui a reconnu Luis Goria. Ne t'amuse pas avec moi, pipi. Le sale que tu veux faire sur la toile, le sale que toi, tu veux faire sur la toile, on peut faire ça 100 000 fois. J'ai évité beaucoup avec toi. Mais tu es allé très loin. Je n'invente pas. Voici ce que ma mère m'envoie aujourd'hui. Voici ce que ma mère m'envoie aujourd'hui. Voici les audios qu'elle m'envoie aujourd'hui. Parce que tous les matins, elle m'envoie la prière. Elle et moi, on était en palabre. On a fait la paix ce matin. Parce qu'elle me dit que Nico, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu marches avec... Je n'ai pas encore Dave Alan. Je n'ai pas la photo de la bairette. Oh, ça sent tout le téléchargement. La photo de la bairette est en cours de téléchargement. Je n'ai pas encore, mais j'aurai la photo. J'ai mis les moyens pour ça. J'aurai la photo de la bairette. J'aurai tes photos. Moi, Nicole. Même c'est dépensé. J'ai dit que je vais mettre tes photos sur Facebook. C'est quoi? On ne connaît plus. C'est comme ça que j'ai mis le bloc camerounais. Quitter du virtuel à la réalité? Quitter du virtuel à la réalité? C'est comment? C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne finit pas. Tu t'es laissé depuis? Je ne parlais plus de toi. Je suis allé sur TikTok. Mais tu envoies une femme comme tu as vu que ta Yamsoué qu'elle te laisse. Mais tu passes dans le noir pour opérer dans le noir. Par quoi? Avec la complicité des abeilles. Hein? Par quoi? Je n'ai pas peur de toi, Pipi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je vais t'abattre, moi, Nicole Ketcha. Prépare-toi. J'espère que tes carreaux sont bien consistants. Si tes carreaux sont bien, qui va t'attraper la bagarre à Paris? La police va venir. Je n'ai pas peur des pipimania. Moi-même, je me prépare. Il y a les gens qui vont venir avec toi. On va faire du sale. Et on va nous arrêter à deux. Je vais montrer mes papiers. J'ai tous les preuves contre toi. Tous les preuves. Qui est derrière ma famille? Qui est derrière ma mère? Je te donne un ultimatum ce matin. Dis à la fête misérable Bayres de quitter derrière ma mère. Demain à 20h, je vais dire qui a reconnu Luis Goria. Je suis désolé pour toi. Je ne vais pas entrer dans ça avec toi. Je vais dire demain qui a reconnu Luis Goria à Paris, en France. Je vais dire qui a reconnu Luis Goria en France, pipi. On peut faire du sale. Le silence n'est pas synonyme de peur. Tu comprends avec quoi? Depuis que tu as fait la paix à ta Yamsoué, tu te prends à trop les airs. Redescends vite sur terre. Très vite. Et t'amuses pas avec moi.
Récent, vite sur terre. Très vite, tellement. Tu n'as pas, tu n'en bois pas. J'en bois plus que toi. Je suis 100 000 fois belle que toi. J'ai accouché. J'ai encore les seins debout. J'ai pas les seins tombés comme toi. Qui est dans le vent. Les seins sont pas appelés comme quoi. Tu ne connais même pas t'habiller. Tu ne connais même pas la mesure de ton soutien. Une vieille femme de 70 ans. Qui ne connaît pas la taille de son soutien. Avec sa petite sœur. Je ne gère pas les à côté. Je vais te gérer une place. Demain à 20h. Je suis désolé. Je suis désolé. Au fils de Marton Chat. Donc dites à Pipi et à la Bayresse. La Bayresse marche avec les photos de ma mère partout. Pour dire que ma mère est malade, elle a l'agonie. Avec la complicité de l'homme bien avec Patricia. Avec ta complicité. Parce que ma mère était un bouc émissaire pour toi, pour ma batte. Quand ma mère était chez Dieu, quand ma mère était chez la Bayresse, d'où tu connaissais, c'était un bon fils pour toi, pour ma batte. Madocas, sors, tu viens de dénoncer ça. Madocas, tout le monde a fait la paix. Directement, le pardon dit à Madocas de venir dénoncer ça. Ma mère vit le cauchemar. Ma mère se fait harceler par la Bayresse. La Bayresse ne doit, ma mère ne doit rien à cette Bayresse. Rien. Ma mère ne doit rien à cette Bayresse. Rien. À cette Bayresse. Rien. Claude Akam. Ma mère ne doit rien à cette Bayresse. Ma mère n'a aucun 8 mois de loyer, rien. Ma mère est sortie devant cette femme. Elle a pris, c'était le matin à 8h. Son mari était même là. Ma mère est sortie, ma mère est partie. La Bayresse, elle marchait partout. Avec la photo de ma mère. Pourquoi? Quel est le motif? Pour mentir que ma mère est malade. Que ma mère a l'agonie chez elle. Qu'on vient la prendre où? Ma mère va bien. Elle est en bonne santé. Ma mère a peur de marcher dans les rues. Qu'on la kidnappe. Hein? La Bayresse marche avec la convocation pour dire que non, que c'est le commandant qui a demandé qu'il faut qu'on vienne prendre ma mère parce que ma mère est malade, le meurtre dans mon dos. Par contre, toi, Germain, tu as le meurtre de Esther que tu as killé au Gabon. J'ai les preuves. Les vidéos sont là, les audios sont là. Ici, tu es une assassin. Ton sang, ta main est remplie de sang. Et tu es passé par ma mère. Tu ne me peux pas. Tu sais pour qu'appartient à tout le monde. Je préviens au fils de Marton Chat. Il s'agit de ma mère. Il s'agit de ma maman. Il s'agit de ma mère, Pipi. Tu vas te faire du sale. Je mets le nom, la date, le jour, l'année que ta fille est venue en Europe. Et qui l'a reconnue? Je n'ai rien à foutre. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié quand tu fais du sale aux gens. Quand tu tues dans le noir, tu ne dors pas. Une femme qui dort elle peut parler de 20h jusqu'à 6h du matin. Sans se reposer. Parce qu'elle a l'insomnie. Elle ne peut pas dormir. Elle voit Esther dans ses yeux. Elle voit l'image d'Esther. Viens te confesser, Pipi. Viens te confesser. Viens te confesser. Hein? Viens te confesser, Pipi. Je ne blague pas. Ma mère a peur. Elle a peur. Je l'ai même fait quitter Douala. Qu'elle part. Il faut le voir qui m'a envoyé l'argent. Qui a envoyé l'argent à ma fille? Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. J'ai dit à ma mère que je ne peux pas quitter Facebook. Je gagne mon argent ici. C'est quoi? Madocas vient dénoncer. Maman Dorcas, viens dénoncer. C'est toi qui as amené ma mère sur les réseaux sociaux. Maman Dorcas, viens dénoncer ça. Viens dénoncer. Ma mère a l'hypertension. Elle a arrêté de prendre les médicaments. Elle dit qu'elle va mourir. Toute ma famille, paternelle et maternelle, sont au courant. Que si elle meurt, c'est à cause de moi. Je me suis même fâchée contre elle. J'ai même dit les mots orduriers à ma mère. J'ai même dit les mots béchards à ma maman. Après, je me suis ressaisie. Je l'ai envoyé le message le matin. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit ce qui vient au fond de son cœur. Je l'ai comprise. Et c'est normal. Moi, je suis en Europe. Je suis en Europe. Elle est en danger en Afrique. Elle est en danger en Afrique. Parce que la Bayresse marche à la photo de ma maman. Et ma mère a peur. Que si elle rentre à Douala, qu'est-ce qui va se passer avec elle? On peut la kidnapper. On peut la kidnapper. À cause de quoi? À cause d'une pisseuse. Il dit, je ne sais même pas. N'essaye pas ça avec moi. N'essaye pas ça avec moi. Il peut te faire du sale. Il te dit la vérité.
J'appelle le fils de Marton Chat. J'appelle le fils de Marton Chat qui vient arranger ce projet. Et qui n'est pas le véritable père de Luis Goria. Toi, tu as un dossier sale derrière le dos. Tu viens t'attaquer à moi, pipi. Tu ne sais pas que moi j'ai un FBI perspicace. Tu as un dossier sale comme ça. Hein? Que tu as reconnu ton enfant. La personne qui a reconnu Luis Goria, il n'est même pas le père légitime de Luis Goria. Tu viens t'attaquer aux gens sur la toile. Tu t'attaques à moi, à ma mère. Et t'as fait quoi? Qu'est-ce que moi t'ai fait l'homme Germaine? T'as fait quoi? Parce qu'il vient de... N'essaie pas. Donc il dit aux gens, hein, parlez au fils de Marton Chat. Qui parlait à pipi. Que la bailleresse là. Que je dis que... Parce que je ne veux pas les retomber. Oh. Je ne veux pas les retomber. Qu'on ne pleure pas que Nicole a fait quelque chose. Que je ne veux pas les retomber. Moi, Nicole Ketcha, je ne veux pas les retomber. Je ne veux pas les retomber. Je n'enlève pas. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui savent pourquoi il dit ça. Je sais de quoi. Elle sait pourquoi je mets le fils de Marton Chat dedans. Elle sait. Elle sait pourquoi je parle de ça. Donc, pipi, si tu tiens à ta fille, à Luis Goria, quitte vite derrière ma mère. Quitte vite derrière moi. Quitte vite derrière moi. Je vais dénoncer la fraude que tu fais. Que tu as menti à l'État français. Que la personne... Salut. Donc, Madoka doit venir. Elle doit venir déposer sa caméra, venir lui parler de ça. Madoka doit venir déposer sa caméra pour parler de ça. Ben, c'est elle qui est venue. C'est elle qui a amené ma mère dans les réseaux sociaux. C'est elle qui a amené ma maman dans les réseaux sociaux. C'est elle. Donc, c'est ça. Et quand elle a amené ma mère dans les réseaux sociaux, c'était pour faire plaisir à pipi. Elle a fait du sale pour pipi. Donc, elle n'est pas partie comme ça. Ils organisaient ensemble pour savoir où ma mère vit. Aujourd'hui, ma mère ne peut pas marcher en route parce qu'elle a peur qu'on peut la kidnapper. Qu'on peut la kidnapper pour lui faire du mal. Donc, je dois arrêter ça. Je n'ai rien à... Les gens qui veulent arrêter ce matin, je n'ai rien à foutre. Il s'agit de ma mère. J'ai compris son problème aujourd'hui ce matin. Qu'elle m'expliquait, je ne comprenais pas. Qu'elle m'expliquait, j'ai compris parce que je suis en Europe. J'ai compris. Elle a peur qu'on peut lui faire du mal. Parce que maintenant au Cameroun, on kidnappe les gens, on demande la rançon de 3 millions. Parce que qu'est-ce qui donne le courage à cette bailleresse de marcher avec la photo de ma mère pour dire que ma mère est malade? Elle a l'agonie, on reste le mensonge. Qu'est-ce qui donne le courage? Parce que quoi? Il y a quelque chose derrière. Comme sa fille est en Europe, sa fille n'a pas les papiers. Elle a besoin d'argent pour faire reconnaître, pour parler de ça. Même ma mère a dit ça. Même dans l'audio, c'est Marie Nicole. Dit à Madoka de sortir pour parler de ça. Parce qu'elle a peur. Madoka, si tu sais un jour que ma mère, tu as aimé ma mère, comme dans ta bouche, tu dis que non, tu as, Madoka, si tu as aimé ma mère un jour, il faut que tu sortes, tu parles de ça. Tu dénonces ça. Tu dénonces ça, Madoka. Laisse d'affaires de part mes soeurs et maman Pépé. C'est les problèmes de famille. Ça les concerne. Il y a une histoire grave. Comme toi, tu évites de clasher pipi. Tu évites de clasher Mbiamène. Parce qu'elle a les choses sur toi. Hein? Donc, Madoka, sors. Tu parles de ça. Tu dénonces ce que la barrière s'est fait. Tu étais de connivence avec eux. Même si aujourd'hui, tu es quitté dans ça. Tu étais de connivence avec eux. Ma mère a préparé le coquille. 8 boules de coquille. Dans le feu à bois. Elle t'a donné. Elle est partie au deuil. Au moins, c'est ça, Madoka. Tu peux venir dénoncer. Laissez l'affaire que vous, tu ne copies pas ta famille. Elle n'est pas ta famille. Viens dénoncer ça, Madoka. C'est une femme. Et c'est tout vous, Madoka, que ma mère vivait chez son père. Au petit marché. Dans la maison en carbone. Que moi, j'ai arrangé mes propres moyens. Vous êtes parti filmer la maison de ma mère. Madoka. Avec la complicité des pipis. Quand tu lui fais plaisir à pipi, à le coquille. Vous êtes parti filmer la maison de mon grand-père. C'est ça qui a fait que ma mère a fui des pandas pour aller se cacher là-bas, ou là-bas à village. C'est là où sa mort sort. Même comme ça, vous allez vous chercher ma mère, chercher ma mère, pour voir d'où ma mère vit. Parce que vous voulez éteindre l'étoile de sa fille. Vous voulez éteindre mon étoile. Aujourd'hui,
Tu t'es séparé de Pipi. Tu as peur de clasher Pipi. Parce que tu as les choses. Tu as que Pipi a pris ton argent. Madoka, sors, tu dénonces la fête de ma mère ici. C'est toi qui as amené ma mère sur Facebook. Viens dénoncer ça. Viens dénoncer ça. Si tu es sincère dans la paix qu'on a fait. Toi, tu as dit chez la reine galloise que tu as pris le problème avec moi. Mais ma mère te garde tout dedans. Elle m'a dit, ma fille, même si tu as fait la paix avec Dorcas, ce n'est pas mon problème. C'est elle qui m'a amené dans les réseaux sociaux. Donc elle doit venir dénoncer ça. Parce qu'elle vit un calvaire. Elle vit un calvaire sur Facebook. Elle vit un calvaire, c'est moi qui vous dis. Ma mère vit le calvaire. Merci, Mireille Tepe. Ma mère vit le calvaire. Donc ma Dorcas, viens dénoncer ça, ma mère, s'il te plaît. Viens dénoncer ça. Je n'ai plus envie d'entrer avec toi. Tu es une maman. On est passé dessus. Devant la reine galloise. Je demande seulement que tu viennes dénoncer, Madoka. Viens dénoncer. Viens dénoncer ça. Si tu es une bonne maman. Si tu as un jour le folklore que vous faites sur les réseaux sociaux. Ce que moi, je comprends, que c'est que ma mère vit. C'est que ma mère vit. Tu es en complicité avec Pipi dans le noir pour détruire ma mère. Tu fais seulement semblant. Si tu ne viens pas dénoncer ça, Madoka, viens dénoncer. Viens dénoncer ça. Donc, c'est tout ce que j'étais à vous dire ce matin. Je vous laisse. Mais c'est mon comment. Je ne peux plus respirer, maman. Je ne peux plus respirer. Hein? C'est comment? Vous voulez commander les gens sur la toile? Moi, je ne peux plus respirer. Donc, je n'ai rien à foutre que les gens m'ont dire pour me clasher. Je n'ai rien à foutre. Donc, il y a ce qu'il y a ce que je dit. Donc, je laisse. Je laisse ce que les gens peuvent parler. Les gens qui vont faire les posts sur moi pour me dire que Nicole, tu n'as pas le droit, j'ai le droit de dénoncer. Quelqu'un fait le post sur moi qui m'intéresse et te bloque. J'ai dénoncé, j'ai le droit de dénoncer. Donc, Claude Acap, j'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Ma mère se fait harceler. Elle se fait harceler par la Bayeresse. Et la Bayeresse, ma mère ne doit rien à cette Bayeresse. Rien. J'ai juste sur la tête de Marie. Ma mère, j'ai même demandé à ma mère que maman, tu dois la Bayeresse. Elle m'a dit qu'elle ne doit rien. Elle m'a dit que ma fille, je ne dois pas la BRS. Je suis sorti devant qu'elle le matin à 8h. J'ai pris mes choses. Le chauffeur était là même. Elle a voulu que elle voulait m'accompagner. Ma mère a dit que non. Ma mère a fait les plans pour partir. Parce qu'elle voulait aller voir d'où ma mère vit. D'où ma mère vit. Fraude en Europe. Quand tu reconnais l'enfant qui n'est pas pour toi. Quand c'est pas toi le vrai père. C'est une fraude. Donc quand j'appelle, il y a le fils de Marathon. Tu comprends là qui? Tu comprends là pourquoi il fait ça? Pipi, la balle est dans ton camp. C'est pas toi ce qui peut faire le sale. Même moi-même, je peux faire le sale. Oh, j'ai pas envie de prendre les gens. Tu as venu m'insulter pour rien. Non, non, pardon. Quand tu te connais pas, il te prend pas. J'ai pas envie de prendre. À très bientôt. Je reviens. Je reviens, Pipi. Je reviens. Ciao.